Salut la team, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans la série astuces sur votre Steam Deck et dans cette vidéo là on va découvrir comment faire pour réutiliser vos anciens jeux de PS2, c'est-à-dire vos jeux PS2 que vous possédez en version boîte et bien sûr en version CD. J'arrive pas à l'ouvrir, pardon. Donc on va voir comment lire ces CD sur votre Steam Deck, c'est très facile et on va découvrir comment faire ça dans cette vidéo. Alors n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à mettre un gros pouce bleu et surtout activer la cloche de notification parce que ce sont des moyens gratuits qui permettent de soutenir la chaîne. Donc premièrement, ce qu'il vous faut, c'est un lecteur de DVD externe plus un hub pour le connecter à un port USB qui va être lui-même connecté à un port USB-C. Ensuite, vous devez également installer Emudec. Donc pour cela, je mettrai le lien d'Emudec dans la description de la vidéo parce que j'ai fait un tuto. Je mettrai également le lien du lecteur CD et DVD que j'ai externe et également le lien de ce hub pour les personnes qui souhaitent l'acquérir. Ensuite, une fois que vous avez installé Emudec, paramétré avec mon tuto, et que vous avez un lecteur de CD, DVD externe plus un hub pour le connecter en mode USB, une fois que c'est fait, c'est très simple. Je vais zoomer un peu. On va se rendre directement sur l'émulateur de la PS2. Donc je clique dessus, je fais ouvrir. Ensuite, une fois qu'il s'est lancé, là on peut voir qu'on a plusieurs modes. Là, on va faire comme la traditionnelle. On va commencer par Kingdom Hearts. Donc je vais ouvrir Kingdom Hearts pour le mettre. Je vais récupérer le jeu Kingdom Hearts. Voilà. Donc là, ça me propose une mise à jour. Je vais voir ça plus tard. Ensuite, une fois que j'ai le jeu, je vais juste décaler ça un peu. Voilà. Je vais juste l'ouvrir. Hop. Voilà. Donc je l'ouvre. Je récupère le jeu Kingdom Hearts que je vais venir mettre à l'intérieur. Je referme. Et là, comme à l'ancienne, on entend le CD tourner. Ensuite, il faut vraiment attendre que le CD tourne bien. Écoutez, là, le CD, il tourne vraiment bien. Une fois qu'il tourne bien à l'intérieur du lecteur CD DVD externe, on clique juste sur Start Disk. Donc là, je vais appuyer dessus, hop, et je vais dézoomer un peu, et vous allez voir que le jeu va se lancer comme si je jouais sur PS2. Donc là, on va attendre un petit peu, voilà, que ça se lance, etc. Voilà, donc là, le jeu va se lancer. Donc là, je peux me taper un bon Kingdom Hearts avec la version CD directement sur mon Steam Deck. Et là, vous pouvez voir que le jeu fonctionne parfaitement. Donc on va même lancer une petite partie comme ça pour que vous puissiez bien voir et tout. Mais ça fait vraiment bizarre d'entendre le bruit d'un CD alors que moi, ça fait longtemps que je suis passé sur PC. Donc on va juste passer la cinématique qu'on va voir et vous allez voir que le jeu fonctionne parfaitement. Voilà, passer la scène. Hop. On passe aussi cette scène. Et on va se retrouver dans le jeu. Voilà, voilà. Donc le jeu fonctionne parfaitement bien. Je vais essayer de zoomer pour que vous puissiez bien voir. Donc voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. Donc si ça t'a plu, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne. Et bien sûr, on se retrouve pour une prochaine vidéo dans la série astuces sur votre Steam Deck. A plus la team. Pour retrouver d'autres astuces sur votre Steam Deck, cliquez sur l'épargne numérique. Après vous êtes abonné, bien sûr. Rendez-vous dans l'onglet Playlist. Et là, vous allez juste cliquer sur toutes les playlists et chercher la playlist astuces Steam Deck. Donc pour l'instant, on retrouve que 6 vidéos astuces. Mais bien sûr, je remettrai cette playlist à jour avec de nouvelles astuces dans la mesure du possible. A plus la team.